Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Et je l'aime bien, monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Bah, il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Caulaincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Ben oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour ne pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. Femme, dit un soir monsieur Lefranc avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir revendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Il y a quelque temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy-Saint-Yor et les établissements mammouths, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. Bonjour monsieur, dit le petit homme, vous êtes bien monsieur Lefranc? Et qu'est-ce qui me veut ce melon? Dit monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Je vous demande pardon, dit le petit homme, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle Rachid Cherkaoui. J'ai entendu dire que vous cédiez votre bail et ça m'intéresse, voilà tout. Oh ben merde là, dit monsieur Lefranc. Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bico dans mon magasin. Hein. Plutôt crevé. Hein. Après s'être ainsi brillamment exprimé, monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas deux fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa. Kermeinkampf. En compagnie de madame Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec, de Quimperlon et de Crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Plus jamais. Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. C'est vrai, pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Alors pour nous, évidemment, c'est vachement pratique. Le dimanche soir, par exemple, monsieur Rachid ne ferme jamais le magasin tant que tout le quartier n'est pas rentré le week-end. Non, c'est vrai. Je me rappelle,
L'autre dimanche, j'y suis allé, il était plus de 9h du soir. Bon, je sais plus quelle connerie me manque, les bricoles qu'on n'a pas le dimanche soir, une salade, un pain de mie, enfin peu importe. Et ben, en tout cas, je vous assure qu'à 9h du soir passé, c'était encore ouvert. Monsieur Rachid était là, dans l'arrière-boutique, en train de jouer au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement, d'ailleurs. Alors, il me l'a présenté. Il m'a dit, je vous présente mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Oui, parce que je suis très gentil et je vous emmerde. Alors, j'ai dit, banalité d'usage, bonjour, monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier ? Oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarque. La boucherie de la rue Lamarque, la boucherie de monsieur Leroy ? Non, je m'étonnais tout de même que monsieur Leroy, qui avait la même fierté, le même foie et le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son fonds de commerce à un individu de type non gaulois vachement prononcé. Hein. Alors il m'a dit, oh, mais vous savez, ça s'est pas fait tout seul. Au début, il a commencé par dire qu'il traitait pas avec les melons. Alors je lui ai dit, monsieur Leroy, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé. Quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien ces ratons. Alors je lui ai dit, mais là encore, vous vous trompez, monsieur Leroy, je suis pas un raton, je viens de vous dire que j'étais blanchisseur. Raton laveur, à la rigueur, si vous y tenez. Et là, il m'a carrément foutu dehors. Et alors, croyez-le ou non, monsieur Pierre, nous avons signé dès le lendemain. C'est marrant, je me rappelle maintenant que ce même dimanche, avant de nous laisser repartir, son frère et moi, monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre de l'année qu'il venait de recevoir. Une merveille. Encore un peu vert, mais bien très fruité. Et je me rappelle que lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais c'est des conneries, moi je le connais bien, je sais bien qu'il préfère les bordeaux rouges, faut pas me prendre pour un con. Enfin. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Charkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed était là dans tous ses états. Il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec 10 points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau, à la nuit tombée, par des inconnus. Alors, Monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémones, et puis je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres.